Salut à tous et à toutes, ici Violette. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ça faisait hyper longtemps mais j'avais trop envie de faire cette vidéo. Donc c'est la mise à jour du 19 décembre qui est des nouveaux poneys et ils sont juste mais trop beaux. C'est les Euclides Style, un truc dans le genre. Et du coup on va aller voir les nouveaux poneys. On va aller voir celui de Fortuna que j'ai genre sur le côté en premier et après on ira à Miss Hall. Je vais en acheter un, je vous le dis tout de suite, parce qu'ils sont juste mais magnifiques, juste je les trouve trop bien faits. Enfin de toute façon SSO s'améliore de mieux en mieux hein, par rapport aux chevaux je trouve. Putain mais les gens, vous êtes sérieux, vous pouvez pas vous mettre bien, on peut pas les voir les chevaux. Oh il est trop beau. Oh putain, ils sont trop beaux. Ils sont juste mais magnifiques. J'adore leur bouille. Bah, en fait c'est des traits, hein. C'est des chevaux de traits. Race pleine de contradictions, le puissant Clidestal, hein, je pense, prend ses racines en Écosse et tire son nom du fleuve Clyde et des vallées qui l'en ont. Ok, il y a un retour. Au cours de l'histoire avec ça, à l'origine, avait modeste de 1m50. Aujourd'hui, ils font partie des races plus grandes. 1m80 au garrot. Putain, c'est pas mal, hein. Et ben, c'est un magnifique poney, dis donc. C'est un magnifique petit poney. Je les surkiffe, hein. Je vous le dis tout de suite, je les surkiffe. Bon, on va aller voir ce de Miss Fall, parce que... Mais techniquement, je sais lequel je vais prendre. Et justement, il a Miss Fall. Du nul. Et ils sont trop beaux. J'avais trop envie de vous faire cette vidéo parce que déjà de une ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et de deux parce que bah ils sont juste magnifiques les chevaux. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Aïe 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 aïe. C'est quoi ces chevaux? Ils sont trop beaux. Ah putain. Ah ils sont magnifiques. Ah, ils sont juste trop mignons. J'hésite entre le gris et le noir parce que des chevaux gris j'en ai pas beaucoup. Mais des chevaux clairs j'en ai beaucoup. Que des chevaux noirs j'en ai beaucoup trop. Non, je vais prendre le noir. Je vais prendre le noir je pense. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. J'adore sa tête. Regarde cette bouille. Regarde cette bouille. Bon, je prends lui. Par contre, je sais pas comment l'appeler. Hein. Ultra... Ultra boy. Ça pourrait peut-être lui aller bien, hein. Ultra boy. Ultra mec. Ultra mec. Si ça peut s'écrire, bien sûr. Ouais, ça s'écrit, ultra boy. Bon, je pense l'appeler comme ça. On est ok. On est bon. Et je pense lui changer sa coupe de... Et lui mettre les genres de pions, là. Qui SSO a montré sur les génériques. Parce que je trouve ça tellement beau. Déjà, on va voir ses allures. Commençons. Oh merde, c'est pas mon écurie principale, je suis con. J'ai tellement l'habitude que mon écurie principale soit à Mistfall que ça me perturbe. Never miss. I guess never miss, yeah. Je vais me taper des droits d'auteur. J'ai cette musique dans la tête. Oula, oula, et c'est ça. Oula, doucement, doucement. Oui, encore un cheval, oui. Oui, et c'est ça, encore un panneau. Mais faut se calmer, hein. Ah, le... Oh putain, c'est le bordel. Bon, je vends des fruits, hein. Je mets à la poubelle des fruits. Ils sont périmés. Ne vous inquiétez pas, ils sont périmés. Comme d'hab, hein, Violet Kingwater raconte des conneries.
Je t'entraîne tout à l'heure, Angel, mais là, il y a trop un beau poney qui vient d'arriver. Bah, parmi vous. Oui, j'ai trop de chevaux, machin, bidule. Mais il est où? Bah, il est où? Y a un problème là. Il est où mon clé des salles? Ou le bug? Je l'ai acheté hein, pourtant. Je l'ai acheté, c'est sûr. Mes Starcoins, ils sont là. Wesh. Bah, il est où? Vous l'avez vu, vous? Oula, le bug. Attendez. Ah, il est là. Ultra Boy. Mais bon. Wow! Vous avez dû le voir avant moi, mais j'ai des yeux de brun, donc... Mais t'es magnifique, mon loulou. T'es hyper grand. Tu es un chien. Merde, j'allais jeter mon pull. Putain, t'es magnifique, mon grand. J'adore ces grosses patounes en fait. On dirait un cheval qui est mes écuries à moi. Et j'adore ces grosses patounes. Il a des grosses papattes. Je trouve ça trop énorme. Oh là 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 là. Il est magnifique, hein. Ok. Moi j'adore, c'est leur cabre par contre. Je l'ai vu dans le... Dans le truc. Dans le thriller. Et putain de cabré de brun quoi, putain! Ils sont trop magnifiques! C'est une très belle race. Franchement très belle race. On peut pas faire mieux, hein. Ah, super! Alors là, c'est avec la queue qui est aussi un ensemble. Avec la queue comme ça. Moi, j'aime pas trop la queue, perso. J'aime que la crinière. Parce que pour mettre la queue. Moi, perso, je préfère que la queue. Enfin, que la crinière. Et je vais lui mettre. Je trouve ça magnifique. Et voilà, un petit clic d'estal à rajouter à la collection. Et que je trouve juste fabuleux. Je le trouve mais magnifique. On a une photo pour le club. Regardez ce cabré! Ce cabré, mesdames et messieurs, il est trop magnifique. Alors attendez, hop. Une petite photo pour le club. On va pas mettre de filtre, hein. Hop. Et hop. Et voilà. Bon, avec tout ceci, je vous laisse. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Violette Kingwater. Allez, ciao!